Bonjour. On va traiter la partie 2 du problème. C'est la dernière partie du devoir qu'on a déjà commencé. Bon, la partie 2 est la suivante. Soit f la fonction numérique définie sur r étoile plus par f du x est égal à 1 plus 1 sur racine du x tout au cube. La première question, justifier la continuité, de f sur r étoile. Bon, la continuité de f sur r étoile plus. Bon, on a la fonction u1 qui a x associé, bon, racine de x, et continue sur r plus. Donc, la fonction e2 qui est égal à 1 sur 1 et continue sur r étoile plus. On a enlevé le 0 car le 0 n'appartient pas à D du E2, à l'ensemble des définitions du E2. Alors, la fonction U3 qui a X associé 1 plus 1 sur racine de X et continue sur R étoile plus, car c'est la somme de deux fonctions c'est la somme de fonctions continues sur R étoile plus. Les fonctions continue sur R étoile plus. La première, c'est la fonction constante. La deuxième, c'est E2. Bon. Et comme la fonction V qui a x associé x cube et continue sur R, car c'est un polynôme, alors c'est un polynôme et quel que soit x appartenant à R étoile plus U de R étoile plus, c'est un qui donne D de V qui est égal à R. Alors, la fonction qui a x associé environ E3 et de x, cette fonction est continue sur R étoile plus. Et comme V rond U3 est égal à F, alors F continue sur R étoile plus.
deuxième question, là, justifie la continuité de f sur r étoile plus. Voilà la deuxième question. Montre que f est strictement décroissant sur r étoile plus. 2. Montrons que f est strictement décroissant sur R étoile plus. Bon. On a la fonction E1 qui est x associé à la racine de x. Une dérivable sur R étoile plus. Donc, ma fonction E2 qui est x associé 1 sur U1 du x est dérivable sur R étoile plus. Donc, la fonction, Donc, la fonction que, qui est x associé 1 plus 1 sur racine de x est dérivable sur r étoile plus. Bon, ici c'est cette fonction continue car c'est la somme de deux fonctions dérivables car c'est la somme de deux fonctions dérivables sur, sur r étoile plus. Bon, car c'est la somme de deux fonctions sur la somme de deux fonctions dérivables sur R étoile plus. Bon. Et comme la fonction V qui est x associé x cube est dérivable sur R et quel que soit x appartenant à R étoile plus E3 du x est inclinant D du V qui est égal à R et comme alors la fonction f est égal à v en u3 et dérivable sur r étoile plus. R étoile plus et quel que soit x appartenant à r étoile plus, f' du x est égal à 1 plus 1 sur racine du x, cube le tout prime,
qui est égal à 3, 1 plus 1 sur racine de x prime, facteur de 1 plus 1 sur racine de x, le tout puissance pour moins 1, qui est égal, voilà la dérivée de 1, c'est 0, de 1 sur racine de x, c'est 3 facteur de moins racine de x prime sur racine de x au carré. Facteur de 1 plus, donc c'est moins 3, de 1 sur racine de x au cube, qui est égal, la dérivée, c'est moins 3, la dérivée de c'est 1 sur de racine de x, le tout sur x, facteur de 1 plus 1 sur racine de x au carré, qui est égal à moins 3 demi de 1 sur x racine de x, facteur de 1 plus 1 sur racine de x au carré. Bon, cette quantité, il est strictement négatif. Il ne sera jamais nul. Bon, x appartenant à R étoile plus, racine de x est un nombre positif. Ce carré, c'est un nombre strictement positif. Alors, le produit de plusieurs nombres de positifs, c'est un nombre positif. Mais, moins 3 sur 2 est un nombre négatif, donc... Le produit de nos nombres de signes différents, c'est un nombre négatif. Donc, quel que soit x appartenant à R étoile plus, f prime de x est inférieur à 0, alors f est strictement, décroissant. La troisième question, montrons que f admet une fonction réciproque. La troisième question, montrons que f admet une fonction réciproque. F moins 1 défini sur un ensemble défini sur un intervalle G. Un intervalle G à définir. Bon, comme F est continu sur l'intervalle R étoile plus qui est égal à 0 plus infini, et strictement décroissant. Alors,
Bon, sur le même intervalle, alors, F, admis, une fonction réciproque définie sur l'intervalle qui est égal à f de 0 plus infini. Bon, je cite un intervalle car f, car c'est l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone. Bon, et comme, f est décroissante, alors j égale à f de 0 plus infini qui est égal à limite de f du x quand x tend vers plus infini, limite de f du x quand x tend vers 0 plus. Qui est égal à limite de f de x quand x tend vers plus infini. On a, c'est la composite de fonction. Bon, la fonction qui a x associé, bon, qu'on a déjà appelé 3, qui est x associé 1 plus 1 sur racine de 1, il continue. Donc, la limite, c'est le produit des limites, car ils sont finis. Donc, est égal à la limite de 1 plus 1 sur racine de x, le tout puissance 3. Si limite d'un produit, un produit de nombre de fonctions finies, un produit de fonctions, de trois fonctions. Bon, c'était puissance. Et si limite quand x tend vers 0, donc si limite de 1 plus 1 sur racine de x, quand x tend vers 0 plus, le tout au cube, bon, ici qui est égal, cette limite 1 sur plus infini c'est 0, donc il y en reste 1, donc 1 au cube c'est 1, et c'est 0 plus 1 c'est 0 plus c'est plus infini au cube c'est plus infini, donc j est égal à 1 plus l'infini. Bon, on a montré que f admis fonction réciproque, car il est continu strictement croissant sur l'intervalle 0 plus infini. Il est défini sur l'intervalle g qui est égal à 1 plus l'infini, qui est l'image de f de l'intervalle 0, 1 par la fonction f. Bon, on passe à la quatrième question. Dans la quatrième question, calculer f moins 1 pour tout x appartenant à f. Quatrième question, calculons f moins 1 du x, quel que soit x appartenant à g. Bon, on a, quel que soit x appartenant à r étoile plus, quel que soit y appartenant à g, f du x est égal à y est équivalent à f moins 1 de y est égal à x. Bon, on a, quel que soit x appartenant à r étoile plus, f du x est égal à y est équivalent. F du x c'est 1 plus 1 sur racine du x au cube est égal à y.
Bon, est équivalent. Y appartenant à G, G est égal à l'intervalle 1 plus infini. Donc, il est supérieur à 1. Il est supérieur à 1, donc il est supérieur, il est positif. Donc, est équivalent à 1 plus 1 sur racine du x au cube est égal à racine, pardon, du y, racine cubique du y, le tube cube. Bon, et comme la fonction qui a x associé x cube, il est continu simplement croissant, donc il est bijectif, en particulier injectif. Donc, cette écriture est équivalente à la suivante, 1 plus sur racine de x est égal à racine cubique de y, car les deux quantités sont strictement positives, sont positives. Bon, est équivalent à 1 sur racine de x est égal à racine cubique de y moins 1. Bon, est équivalent à 1 sur racine du x au cube est égal à racine de 3y moins 1 au carré. Bon, nous avons donc l'ordre positif. Donc, ils sont égaux, alors leur carré est égaux. Donc, il y a équivalence. On va montrer que les éléments positifs sont égaux. Il est équivalent de montrer qu'ils ont le même carré. Donc il y a équivalence entre les deux assertions. Donc il est équivalent ici f1 sur x est égal à la racine cubique de y moins 1 au carré. Il est équivalent. Bon, cette quantité il est non nulle. Donc il est équivalent à x est égal à 1 sur racine cubique de y moins 1 au carré. Bon, x et f moins 1 de y. Et comme x est égal à f moins 1 de y, alors, quel que soit y appartenant à g, f moins 1 de y est égal à x et x est égal à 1 sur racine cubique de y moins 1. Au carré. Et comme y est une variable, donc on peut remplacer x par y. Donc, pardon, quel que soit x appartenant à g, f moins 1 de x est égal à 1 sur la racine cubique de x plus moins 1, pardon. Moins 1 au carré. Bon, on va vérifier ce résultat. F x est égal à y, qui est égal à f moins 1, y est égal à x, que soit x appartenant à l'étoile plus, f x est égal à y. Cela veut dire que cette quantité est égale à y. Bon, y, elle appartient à g, donc, y appartenant à g, donc y est supérieur strictement à 1. Alors, y est strictement positif. Donc, y, on peut l'écrire sur la forme de la racine cubique de y de tout au cube. Bon, ici, cette fonction, la fonction qui a x associée au cube, elle est strictement croissante, elle continue, donc c'est une fonction bijective. Donc, on peut lever le cube. Car il est bijectif, donc il est injectif. Si f de x est égal à f de y, alors x est égal à y. Bon, ici on va lever le cube. Donc 1 plus 1 sur racine de x est égal à racine cubique de y. On va retrancher ici 1 ici, on va retrancher 1 ici, dans les deux côtés. Donc on aura 1 sur racine de x est égal à racine cubique de y moins 1. Donc, on voit les deux quantités sont positives. S'ils sont égaux, alors il est équivalent à x au même carré. Donc, 1 sur x est égal à la racine cubique de y moins 1 au cube. Cette quantité est différente de 0. Donc, il admet à l'inverse. L'inverse de x est égal à cette quantité. Alors, x est l'inverse de
racine de 3y moins l2 au carré. U comme x est égal à f moins 1 du y, d'après ceci, x est égal à f moins 1 du y, donc quel que soit y appartenant à g, f moins 1 du y est égal à 1 sur racine cubique de y moins l2 au carré. Donc quel que soit x appartenant au banc, x est une variable, y est une variable, on peut la remplacer par x. Bon, quel que soit x appartenant à g, f moins 1 du x est égal à 1 sur racine cubique de moins 1, la racine cubique de x moins 1 au carré. Bon, voilà pour cette partie. Enfin, voilà pour ce devoir. Merci pour votre attention. À la prochaine. Merci.